tout le monde, j'espère que vous allez bien ce jeudi 3 octobre. Chez nous, c'est jour férié, donc j'en profite, j'ai un petit peu plus de temps. Oui, je sais, je vous ai pas fait les prévisions pour octobre. Je n'ai pas trop envie, je dois dire, parce que avec ce qui se passe entre Israël et le Liban, bah bof, hein, on n'a pas trop envie d'épiloguer sur le sujet, je dois dire. On espère simplement que les choses vont se calmer. Je vous avais toujours dit, octobre-novembre, il y avait la planète Mars qui arrivait, vous vous en souvenez sûrement, et qu'il allait y avoir des choses martiales ou martiennes, comme vous voulez, donc en relation avec de l'agressivité et de la guerre. Et c'est vrai qu'on n'a que de la violence, à tout point de vue d'ailleurs, hein, que ce soit dans la population ou que ce soit évidemment à l'international. Bon. Alors. Je vais quand même regarder puisque voilà, je me sens, j'allais dire, je me sens fambouille. Bon, physiquement, en tout cas, ça va. Moralement, ben bof, hein, comme tout le monde. Il faut vraiment garder la paix intérieure. C'est la seule solution pour s'en sortir, j'ai envie de dire. Bon, alors, comme vous le voyez, je suis en train de mélanger le divin actu. Alors, on va y aller tout de suite, je ne vais pas vous faire attendre. Alors, quoi attendre du mois d'octobre? On va voir si c'est le national qui sort ou l'international. Je ne sais pas. Alors, quoi attendre cet octobre que certains qualifient de rouge? Bon, alors, oui, d'accord. Les reptiliens. Les reptiliens avec un krach boursier. Alors, je vois un peu plus tard. Ceci dit, les guerres, c'est jamais bon pour la bourse. Hein. Ça, c'est évident, la bourse, les bourses, hein. Bon, peu importe. Que ce soit celle de New York ou les autres, hein. Donc oui, il y a quelque chose effectivement en préparation au niveau des finances. Même si la catastrophe générale, comme je vous l'ai déjà dit, je la vois un peu plus tard. D'ailleurs, je vous ai fait une petite vidéo que vous verrez peut-être après, hein, on va voir. C'est dans les tirages éclairs. Alors, qu'attendre du mois d'octobre? La petite vidéo s'appelle « L'illumination des consciences ». Voilà. Qu'attendre de ce mois d'octobre, on va voir. Puis l'autre qui s'amuse bien au Canada, là, bras dessous avec Justin, qu'est-ce qui m'énerve? Bon, enfin bref, passons. Alors, quelque chose par rapport aux enfants, de l'autostop des entreprises, de la soumission. Bon, pour l'instant, voilà, c'est ce que j'ai. Les enfants toujours en danger, évidemment, à tout point de vue. Bon, de là, elle voulait sortir. Alors, ministère bâtiment administratif, oui, évidemment. Hein. Moi, ça fait penser plein de choses. À des lois, évidemment, concernant les enfants. On va regarder tout de suite ce que ça peut être. Un nom, un petit oui, un nom, un petit oui. Menace, menace sur les enfants, oui. Menace sur les enfants, alors un nom, un petit oui, c'est des contestations. Oui, parce que j'ai un nom, je ne sais pas si vous suivez, des contestations par rapport à tout ce qui pèse sur les enfants, mais j'ai quand même quelque part aussi une acceptation. Hein. Alors, de quoi il s'agit? Ben, ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être les questions de santé, ça peut être les questions d'éducation, ça peut être la fameuse protection de l'enfance qui ne fait absolument pas son travail. Il y a un espèce de laisser-aller, là. Ouais, j'ai les addictions, en plus. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc? La forêt. Bon, alors, les addictions, ça me fait penser évidemment aussi au médoc. Hein. Donc, il y a bien des choses de santé au niveau des enfants. Et c'est vrai que depuis le mois de septembre, on a les fameuses 15 piquettes. Mais il y a autre chose qui sont cachées. Et c'est toujours les enfants, je vous ai dit, plutôt en 5. Hein, plutôt en 5. C'est les enfants qui sont... le mot à 4 lettres, on va dire agressé, hein, pour voilà, pour pas me faire sabrer, c'est vraiment vraiment ça. Donc il y a un vrai combat, puisque vous savez que Pluton va rester quand même très longtemps dans le signe du Verseau, donc la maison 5 du point vernal. Et je sais que ça plaira pas ce que je dis, mais moi je vous dis que les enfants sont en danger. Voilà, et vous avez aussi, vous voyez, on va vers ça. Oh, mon jeu, il me le dit bien, il y a des choses cachées. Donc le combat ne fait que commencer pour les enfants. Il faut mettre les enfants à l'abri. Et je ne vois pas assez de personnes qui sont sensibilisées par le sujet. Bon, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bah tiens, confinement. Alors, c'est quoi cette histoire?
On va regarder. Mortalité. Ouais. Ah, j'ai le coco là. C'est quoi? Le château. Oui. Pour l'instant, je ne vois pas. Hein. Alors, je continue quand je ne vois pas. Hein. La déforestation. Bon, ça, c'est autre chose. Le confifi, le C19, bon, ça va ensemble. Autostop, alors autostop, ils essaient de remettre ça un petit peu en marche, j'ai l'impression quand même, hein, avec la piquette pour le coco. Voilà, ils essaient de refaire mettre le masque aux gens, je crois que c'est ça en fait. Hein. Ils essaient un petit peu de reprendre le contrôle avec la peur. Donc autostop, c'est que ça marche pas, quoi. Vous voyez, autostop, c'est un peu le stop and go aussi. On s'arrête, on part, on s'arrête, on part. Il y a des ratés, quoi, dans leur discours. Et puis en plus, c'est marqué mortalité. Donc il y a quand même des trucs qui remontent à la surface et ça ne fonctionne pas. Alors, on va regarder ce qu'il y a autre chose. Bon, alors après, j'ai les agriculteurs qui sortent. Alors, déforestation, c'est marrant parce que moi, ça me faisait penser à dépopulation, curieusement. Ouais, on a des associations d'idées un peu bizarres, hein. Mais on arrache du sol, quoi, on déracine. Hein. Ouais. Donc là, leur plan, il a des ratés concernant le coco, d'accord? Bon, pour l'instant, j'ai rien d'autre. Hein. On verra après pour les agriculteurs qui ressortent ici. Sur l'automne, bon, bah, on y est. On a quelque chose là qui est en train de nous préparer. On va voir ce que c'est. Est-ce qu'il y a des réunions? Ah bah oui, alors ça sort bien par contre, contrôle surveillance. Ah oui, alors là attention parce qu'ils sont en train de nous mettre en plan, en route plutôt, je faillais dire en marche dis-toi, leur truc de surveillance, alors caméra, reconnaissance faciale, numérique, enfin tout ce que vous pouvez imaginer quoi. Ils sont en train de plancher sur le sujet, hein. Ah ça y va, hein. Ah ouais. Puis ça passera aussi par les questions de médecins. Donc, ils vont nous faire la totale. Donc, ça, c'est prévu. Hein. Ils sont en train vraiment de plancher sur le sujet. Bon. Qu'est-ce qu'on a ici? Soumission. Soumission aux réseaux sociaux. Tiens, tiens. Alors là, on va regarder. La démocratie. Je vais aller dire la République. Bon, enfin bref. Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'immobilier, les bâtiments. Oui. Ah oui, c'est marrant, ça. C'est comme si on pouvait suivre les gens jusque chez eux, là. Alors, c'est la fausse démocratie. Hein. Sous prétexte de démocratie, à mon avis, on va limiter encore une fois nos libertés pour soumettre nos opinions. Hein. C'est-à-dire soumettre nos opinions. Nous empêcher de penser, nous empêcher de communiquer. Hein. Nous soumettre au niveau des opinions. Hein. Bon, alors, de l'os, moi, j'y vois aussi la transparence, la clarification. Hein. On n'est pas forcé de prendre la carte telle qu'elle. Le harcèlement, ben, c'est ça. C'est ça, sous prétexte de harcèlement, alors d'opinion politiquement non correcte ou incorrecte. Vous voyez, vous dites un tel, je sais pas moi, ce que vous voulez. Eh ben, on va dire que vous harcelez la personne parce que vous êtes, on va dire au pif, antisémite. Allez, hein, voilà, par exemple. Eh bien, là, il va y avoir... on vient de voir la surveillance. Hein. Il va y avoir un contrôle au niveau des réseaux, puisqu'on avait les réseaux, pour soumettre la population. Donc là, on va vraiment vers des moyens de restriction, de surveillance, de contrôle des populations. Là, ça sort. Hein. Ça sort quand même deux fois ici au milieu. Donc ça veut dire que c'est vraiment, vraiment important. Donc gardez ça en tête. Hein. Mise en place de moyens de surveillance qui vont être accrus au cours des prochains mois. Et alors, est-ce qu'on va en entendre parler davantage sur octobre? Oui, je pense. Bon. Et puis là, on a nos agriculteurs. Alors, les agriculteurs dont on ne parle plus. Service secret. Bon, bah alors, eux, ils sont bien surveillés. Hein. Oui. Ils sont bien surveillés. Les Émirats. Alors, je ne sais pas pourquoi. Allez savoir. Les lois. Ouais, ça, je comprends davantage. Des lois pour certainement... oui, ben voilà, de femmes matures, bon, ben on sait qui c'est, hein. C'est celle qui est au Parlement européen, évidemment. Hôpital soignant, oui. Alors, qu'est-ce qu'elle veut faire sur les agriculteurs? Bon, justice divine, bon, alors ça viendra plus tard. Bon, je dirais, il y a d'autres, hein. J'ai simplement des lois concernant les agriculteurs qui sont en préparation de la part de cette dame. Après, j'ai les histoires d'hôpitaux, donc c'est toujours pareil, il y a plein de trucs qui sortent. Qu'est-ce qu'on a sur les agriculteurs? J'aimerais bien savoir.
Agence de santé, oui, donc c'est y a des histoires de substitution de nourriture. Vous savez, la FDA, ce sont les agences qui interviennent quand il y a un nouveau médicament. Je ne sais pas s'ils interviennent aussi pour la nourriture, les nouveaux moyens de se nourrir, pardon, les nourritures industrielles, enfin les trucs censés remplacer les agriculteurs. Il y a un truc là qui est en préparation, je vous dis, pour virer les agriculteurs et nous mettre en place quelque chose qui serait donc approuvé par les agences de santé, qui serait bonne pour nous. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est Madame Ursula qui est derrière tout ça, puisqu'on sait très bien qu'elle, elle veut favoriser les lobbies qui veulent nous mettre en place la nourriture dégueulasse. Enfin, ça, j'en avais déjà parlé. Bon, doute, incertitude, oui. Le numérique. Ah, ça ressort encore, le numérique. Oui. Bon, et après, on a les conflits. Donc, pour Ursula, elle est en train de penser aux agriculteurs, d'accord? Et aux moyens numériques de reprendre tout ça sous contrôle, puisque les agriculteurs, ils sont en train de remonter au créneau. Et vous avez compris au niveau de la surveillance. Bon. Alors après, j'ai les hôpitaux soignants, mais à mon avis, ça, c'est autre chose. La justice divine, bah, il serait temps qu'elle arrive. Et conflit militaire. Bon, alors comme j'en ai sorti quand même pas mal sur le Divine Actu, je ne vais pas en prendre de trop. On ira voir autre chose. En tout cas, conflit militaire, on va garder hôpital soignant. Ça, c'est important. Arabie Saoudite, oui. Alors, ce n'est pas le pays que j'attendais, moi, non. Destitution, tiens. Je ne sais pas si j'ai le bon pays, hein, je ne suis pas sûre. En tout cas, j'ai des choses qui bougent, puisqu'on sait qu'il y a l'Iran, Israël. Mais je ne sais pas si j'ai le pays de l'Iran dedans, vous voyez. Alors, je sais que ce n'est pas l'Arabie Saoudite, mais enfin, je ne sais pas. Il y a quelque chose, là. Il y a quelque chose qui bouge au niveau des conflits. L'empêchement de quelqu'un ou de quelque chose. Bon, bah, la déshumanisation, oui, ça, c'est pas étonnant, vu les massacres. Hein. Moi, je pense que Jésus doit être en train de pleurer. Marie aussi, certainement. Quand on voit ce que les hommes sont capables de faire, exterminer des femmes, des enfants, enfin bref, des civils, des hommes aussi, évidemment, qui sont complètement innocents et voilà, qui prennent les bombes sur la figure. C'est terrible, hein. C'est terrible ce qui se passe. Et je trouve qu'il n'y a pas suffisamment de réaction internationale à ce sujet. Tout le monde s'en fout, comme d'habitude. Voilà, comme d'habitude. Bon, il y a une accélération de la déshumanisation avec la destitution de quelqu'un ou quelque chose. Je ne sais pas pourquoi j'ai l'Arabie Saoudite qui est sortie. Aucune idée. Là, je n'ai pas trop suivi, je dois dire. Mais il y a un oui. Donc, il y a bien les choses qui s'accélèrent. Il me dit, il y a un oui. Et ça va provoquer quoi? Une insouciance. Ouais, je vous dis, tout le monde s'en fout. Bah ouais, c'est ça en plus. Le peuple, oui. Comment ça va finir tout ça? Bon, on sait qu'ils sont derrière. Hein, les magiciens, c'est les francs. Enfin bref, les frères Latruelle. Il y a une foudre. Bon, ça, c'est les explosions, à mon avis. Hein. Les Républicains, bah on a vu que Donald, voilà, il a pris parti pour qui vous savez. Hein. L'élite milliardaire, oui. Le départ de qui? Le diable. Alors, c'est pas le diable qui s'en va, hein. Non. C'est le diable qui est à la manœuvre. Bon, alors au niveau du conflit, j'ai rien d'autre. Ça va encore durer un certain temps, on va dire. Je vous ai dit que je ne veux pas sortir trop de cartes. Mais vous voyez qu'il y a quand même toujours ces histoires de foudre. Alors, je vous dis, c'est les explosions. Hein. Les gens qui sont en train de magouiller derrière. L'insouciance, malheureusement. Je vous dis, personne ne veut vraiment arrêter ce qui se passe là-bas. Hein. Et alors, je ne sais pas pourquoi j'ai empêchement. Je pense que simplement, c'est pour empêcher certainement... certainement quoi? L'Iran, hein. Ben, je pense que c'est ça, hein. Bon, après, j'ai hôpital soignant, on va regarder sur autre chose. Mais là, j'ai pas le fameux de l'histoire. Hein. Entre Israël, le Liban, les Hezbollah, tout ça, j'ai pas le fameux de l'histoire. Je sais qu'il y a beaucoup de manipulations. Il y a quand même le départ de quelqu'un. Et j'avais aussi empêchement. Donc, il y a quelqu'un qui va partir. Ou des gens qui vont partir. Mais plutôt dans les personnes ayant un pouvoir. Mais je ne m'y connais pas assez en politique là-bas. En tout cas, ça continue. Alors, hôpital soignant. Allez, encore une ou deux.
Le J20, ah, ils sont encore en train de mettre en place autre chose. Un faux drapeau, bon. Ok, je ne vois pas trop ce que c'est là. La monnaie numérique, oui. Toujours pareil, hein. Ouais, toujours pareil, voilà. Ceux qui sont derrière ça. Pourquoi est-ce que j'ai faux drapeau et pourquoi j'ai hôpital soignant? Bon, Julien, bon, ok. J'aurais rien d'autre, je crois. Hein. Non. Hôpital soignant, pause, vacances. Il y a quelque chose au niveau des hôpitaux qui ne va pas. Alors, faux drapeau, on va les garder un petit peu par là. Hein. Faut pas tous mélanger. Mais, voilà, intuition, voyance, c'est pour moi. Hein. Me dit qu'il faut éventuellement que je creuse le sujet. Il y a un danger. Oui, il faut que je creuse le sujet parce qu'à mon avis, c'est qu'il n'y a pas assez de... il n'y a pas assez de soignants dans les hôpitaux. Hein. Et ça commence à devenir sacrément dangereux. Alors, ça l'était déjà parce que vu les gens qui décèdent sur les brancards, n'est-ce pas? Mais là, il y a un vrai problème. Ah ouais, je vous assure. Hein. Vous savez qu'on a un hôpital qui a fermé... un hôpital que je... Voilà, où j'ai eu ma fille d'ailleurs. Qui est très bien, enfin qui était très bien, parce que, y avait les urgences qui marchaient très bien. Bon, évidemment, il fallait attendre, hein, mais quand même, vous étiez pris en charge, ça fonctionnait bien, et des gens sérieux. Et ils ont fermé du jour au lendemain, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Donc, vous voyez que chez nous aussi. Hein. Et là, bah, on nous dit qu'il y a un problème, un danger par rapport aux hôpitaux. Voilà, il y a un manque de personnel. Je vais quand même encore rajouter une. Bon, c'est voulu par qui vous savez. Hein. Ah, bah ouais. Brimiche, voilà. Par exemple, ça fait partie du plan. Bah, c'est lui qui, en fait, qui gouverne. Hein. Ah, faut le savoir, quand même. Hein. C'est pas l'autre pantin, là. Non, non, c'est lui qui donne les directives. Hein. Ah, ouais. Et la destruction des hôpitaux, ça fait partie du plan. Hein. Alors, on va nous dire que c'est des fake news, c'est possible. On va nous dire que tout va très bien. Qu'il n'y a pas à s'inquiéter. Possible aussi que ce soit ça. Ouais, on nous prend pour vraiment... On se fiche de nous. Ouais, on se fiche de nous. Bon, j'ai rien d'autre. En tout cas, les hôpitaux, danger. Bon, pour le reste... j'ai pas le fameux du conflit. Je pense que ça va continuer encore. Je vous avais dit à un moment donné que Israël allait aller jusqu'au bout. Alors, ça fait longtemps parce que c'était au moment où il y avait le... l'attaque le 8 octobre, vous vous souvenez, et j'avais dit, vous allez voir, Israël va réagir, mais ils iront jusqu'au bout, jusqu'à temps qu'il n'y ait plus rien, que tout soit détruit. Voilà. Et ben c'est ça. Donc là, je parlais de Gaza, évidemment. Bon, ben, on a le Liban, malheureusement, qui est un... qui n'ont rien à voir là-dedans, hein. Massacre de la population. Mais Israël s'en fiche. Ah ouais, s'en fiche. Donc, ça va continuer. Avec la bénédiction de tout le monde, c'est terrible ce qui se passe. Je vous assure, c'est pour ça que je n'ai pas envie de faire du tirage. Bon. Donc, pour l'instant, octobre rouge. Alors, on va regarder rapidement quand même s'il peut y avoir peut-être des conséquences pour nous. Pour l'instant, je n'ai pas l'impression. Parce que vous avez vu Vlad, qui est quand même l'allié de l'Iran. Pour l'instant, il ne s'en mêle pas. Hein. Bah non, c'est explosif. Il a déjà l'Ukraine à gérer. Enfin, à gérer, à régler en tout cas. Bon, et puis il y a les BRICS, faut pas oublier, la fin du mois d'octobre. Hein. La fin du mois d'octobre, donc je crois que Vlad, en fait, il est beaucoup plus, en fait, on va dire, focusé, je sais pas si on peut dire ça comme ça, ou focalisé sur les histoires de finances, sur les histoires de faire grandir ces BRICS, plutôt que d'entrer en guerre encore dans un autre conflit, quoi. Vous voyez, et de prendre parti pour l'Iran. On va quand même demander. On n'aura que des expressions. Quel est le sentiment de Vlad par rapport au conflit dans lequel, eh bien, il y a quand même son allié, hein, l'Iran. Ça, je me réfère à la Bible aussi. Hein. Voilà, l'Iran, c'est l'allié de la Ruru. Et c'est vrai qu'avec Israël, on pourrait se dire, ah, c'est l'apocalypse. Hein. Mais je n'ai pas l'impression, ou alors, alors peut-être que si, parce qu'il y a la foutue comète, là. La comète qui nous avertit quand même d'événements très, très graves. Hein. Bon, enfin bref, moi je vais essayer un peu plus tard. Peut-être que je me plante. Hein. Alors, que va faire Vlad par rapport au conflit entre l'Iran et l'Israël? Ok, Israël, pardon. Alors, jeter de la poudre aux yeux et poser un lapin. Bon, poser un lapin, c'est qu'il ne sera pas là. Hein. Jeter de la poudre aux yeux, ben, c'est pareil, il y a plein de choses qu'on ne nous dit pas.
comme d'habitude, en tout cas, lui, en ce qui le concerne, il n'interviendra pas. J'ai pas l'impression. Alors, j'espère, parce que si jamais il devait intervenir, là, c'est biblique. Ah ouais. Là, c'est Gog et Magog. On va quand même demander. Est-ce que Vlad va se mêler du conflit? Parce que c'est vraiment la question, hein. Ménager la chèvre et le chou. Bon, ben voilà. Ménager la chèvre et le chou, vous voyez. Donc, il prend pas parti. Il se met en retrait. Et un cercle vicieux, ben, il considère que si jamais il commence à rentrer dans ce conflit, ça va être un cercle vicieux dont il ne sortira pas. Vous voyez? C'est vraiment ça. Donc, minute papillon. Là, c'est quand même quelqu'un qui voudrait un petit peu arrêter le jeu, calmer le jeu. Donc, il est possible qu'il, peut-être, alors, mais on ne le dira pas, hein, je pense, qu'il intervienne pour, peut-être envers l'Iran, mais encore une fois, on ne le saura pas, ce sera certainement caché. Ce sera des pourparlers qu'il aura sans doute avec les dirigeants d'Iran en disant, voilà, minute papillon, n'allons pas trop vite en besogne. C'est un peu ça que j'ai. Donc, il interviendrait un petit peu de façon détournée. Une montagne qui accouche d'une souris, bon, bah. C'est déception, quoi. Il n'y aura rien. Hein. Éclairer la lanterne, oui. Et sabrer le champagne. Bon, ça va quand même s'arranger, cette histoire, j'ai l'impression. Il y a une. Alors, attendez, ça c'est autre chose. Est-ce que c'est Vlad, là? Bon, vous avez vu pour le conflit israélo-iranien, machin. Je pense qu'il ne s'en mêlera pas. Parce que sinon, ce serait vraiment entrer dans un cercle vicieux. Et là, ce serait foutu. Hein. Elle est horrible, hein, cette carte. Ben, c'est fait exprès. Bon. Par contre, là, il a éclairé la lanterne et savouré le champagne. Alors, de quoi on nous parle, là? Ouais, voilà. Ça, c'est Vlad. Vous voyez, garder son sang-froid. Ça lui va bien. Hein. Ah, il est très froid hein, comme homme. Hein. Il n'est pas du tout émotionnel, lui. Hein. Il est très froid, très posé. Hein. Bon. Par contre, il est dans autre chose. Alors, de quoi on nous parle, là? Éclairer la lanterne. Bavarder comme une pie, ouais. Tenir un fil, ouais. Oui, donc ça, c'est lui. Ça, c'est lui. Une main de fer dans un gant de velours. Moi, je pense qu'il va laisser toutes les intervenants dans le conflit que je viens d'évoquer. Voilà, blablater. Bon, il sait que la situation ne tient qu'à un fil. Lui, il garde son sang-froid. Quelque part, j'ai l'impression qu'il agit en sous-main. Ce qu'elle le dit avec la main. Mais là, avoir carte blanche. Oui, non, mais il est dans autre chose, lui. Ouais, non, mais il n'interviendra pas, je pense pas. Mais il est dans autre chose. Je suis sûre qu'il est dans les BRICS. Ouais, bon. Ça, c'est les BRICS. Et ça, devenir chèvre, non. Et je pense pas qu'il interviendra. Non. J'ai pas l'impression. C'est pas mon ressenti. Je crois qu'il se concentre beaucoup plus sur les BRICS, moi. Alors, ça veut pas dire que la situation lui plaît, hein. Je ne sais pas si j'ai des questions d'argent. Attendez, il faut que j'en prenne un autre. Ouais. Tiens, on va demander là avec le tarot. Est-ce que Vlad. Qu'est-ce qui préoccupe Vlad? Voilà, on va voir si c'est la guerre ou si c'est. Ou si c'est autre chose. Qu'est-ce qui le préoccupe en ce moment? Ouais. Ah oui, d'accord. Ouais. Bon, il y a quand même la guerre et la trahison derrière. Ah ouais, ça c'est les armes et tout. Bon. Ben, il attend un petit peu que les choses se calment. Ça, c'est les missiles. Là, ce qu'il attend aussi, une femme que l'on mettrait à terre. Je vous dis qu'il veut la peau de l'Europe. Alors, entendons-nous bien, parce qu'il y a encore des gens qui vont mal comprendre. Il faut pas oublier ce que Nono Lunaire, il avait dit. Il avait dit, on va mettre la Russie à genoux. On va la ruiner économiquement, vous vous souvenez? Eh bien, ceci n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Je pense que Vlad va rendre la monnaie de la monnaie de sa pièce, hein, là, rendre la monnaie de la pièce, je me rappelle même plus. C'est grave. Hein. Enfin bref, je suis beaucoup dans les expressions aujourd'hui. Donc en fait, il va réagir. Voilà, il va dire ça comme ça. Il va réagir et il va en fait exactement réagir de la même façon, c'est-à-dire que il va mettre l'Europe à genoux. C'est exactement ça. Sauf que ça va être économiquement et financièrement. Et c'est ce que j'avais là dans la coupe, hein, parce que la reine de bâton, c'est Ursula. Et ce sera sa vengeance, ruinée économiquement, financièrement. Mais
ça tombe ça coule de source, quoi. C'est évident que ça va être comme ça. Ça va pas être par des moyens guerriers ou militaires, ça va être par des moyens économiques et financiers. Et ça a toujours été mon ressenti. Bon, alors ça peut être lui, mais ça c'est une femme. Ouais, bon, alors là, il y a des pourparlers. Bon, il y a quand même des perturbations, on est d'accord, avec le 3 d'épée. Il y a une situation qui va prendre du temps. Ouais. La récolte des sous. En face, qu'est-ce qu'on a? La prêtresse. Alors, ça peut être évidemment Madame Ursula, hein, qui fait des trucs en douce, hein, qui nous prépare des choses. Moi, je vous dis, si on voit Vlad ici, par exemple, ça prendra le temps que ça prendra, mais c'est lui qui récoltera les sous. Hein. Et là, alors, est-ce que c'est les familles? Moi, je pense que ça peut être les gens qui vont venir de plus en plus, les familles qui vont se réfugier, d'ailleurs, pourquoi pas, dans le pays de l'ours, comme on dit, pour bénéficier, voilà, pour bénéficier du bien-être économique et financier. Et je ne parle même pas des valeurs morales. Hein. Ah, bah ouais. Les histoires de arc-en-ciel, ça a fait un mal terrible, terrible à l'Occident. Tout ce qui se passe avec les enfants, hein, c'est surtout de ça que je parle. Hein. Je veux dire, que les gens soient gays, machin et tout, je m'en fiche, comme de l'an 40, pour rappeler l'expression de mon jeu, l'oracle des expressions. Mais par contre, qu'on s'attaque aux enfants, alors là, non, moi, je... Là, non, là, je sors les armes, là, je sors l'épée, je me bats. Non, il faut laisser les enfants tranquilles. Bon. Or, le fait de s'attaquer aux enfants, ça... Mais tout le monde est choqué. L'Afrique est choquée. Les pays nordiques, je raconte. Les pays de l'Est, pardon. La Pologne, la Hongrie, tout ça, sont choqués. Évidemment, la Russie est choquée. Donc là... Parce qu'ils ont quand même gardé des valeurs chrétiennes, ces pays-là. Hein. L'Afrique ne veut plus entendre parler de notre cher Caligula. Hein. C'est un dépravé, ce type. Il est dépravé, quoi. Bon, vous voyez, et ça, c'est l'Europe. J'étais en train de parler de lui, justement. Ben voilà, ça va cracher. Ça, c'est l'Europe qui va cracher. C'est tout à fait vrai, hein. Vous allez voir. Hein. Les BRICS, l'avènement des BRICS va montrer le crash de l'Europe. Et ce sera au niveau financier, comme je vous l'ai dit dans l'autre vidéo. Et ça se fera. C'est sûr, hein. Voilà. Quand je parle des BRICS, j'ai que des belles cartes. Et quand je parle de l'Europe, on va voir qu'est-ce que j'ai d'autre. La force, ben ça c'est Madame Ursula, hein, qui veut absolument aller en guerre. Qui veut mettre en place ses réformes, pardon, financières. Mais bon. Ah oui, puis il y a les enfants aussi. Voilà, qui veut faire du mal aux enfants aussi. Bon. Bref. Donc, Monsieur Vlad est concentré sur les histoires financières. Regardez un petit peu mon Dixit, là, s'il peut nous donner des petites infos. Il est toujours très bien sorti. Oui, alors du coup, les conséquences pour nous au niveau de la France, de ce conflit-là. Bon, on a bien la guerre, hein, ouais. On a bien la guerre. Bon, il y a quand même l'envie de faire une trêve, hein, je sais pas, mais j'ai pris le tas au pif comme d'habitude, vous voyez. Il y a la guerre, le bien contre le mal, pourquoi pas, le dragon blanc, le dragon noir. Mais il y a aussi une trêve. Puis il y a l'Esprit Saint là qui arrive. Ouais, ok. Donc à un moment donné, ça va se calmer tout ça. On va quand même voir s'il peut y avoir des conséquences pour nous. Alors, des conflits, alors je ne sais pas lequel des deux de conflits. Hein. Maintenant, on ne sait plus où donner de la tête. On va simplement voir, peu importe que ce soit l'Ukraine ou bien que ce soit l'Israël, quelles conséquences pour nous, enfin, pour la France. Alors ça m'avance beaucoup. Alors là, en fait, ouais, d'accord. Bah, c'est un peu, on va dans tous les sens, là, vous voyez. Vous savez, dans Alice, il y a le chat, là. Cheshire, je crois que c'était, hein, le chat. On voyait que le sourire, qui était très, très énigmatique, qui donnait des réponses sans en donner. Donc là, on a quand même plusieurs directions à prendre et on a un peu perdu, quoi. Mais c'est un peu ça, oui. Ah oui, alors ça, c'est pas cool. Comme je vous dis, je sais pas du tout quelles cartes sont dedans. Je n'en sais rien. Mais là, quelles conséquences pour l'Europe? Ben, moi, j'ai la prison. Une prison dont on pourrait sortir, d'ailleurs, mais une prison quand même. Bon, qu'est-ce qu'on a par là? Donc, une prison pour nous.
C'est parce qu'en fait, les peuples ne sont pas unis. Hein? On pourrait faire la révolution si on le voulait. Il suffirait de sortir tous dans la rue. Hein? Si on a des millions et des millions de personnes dans la rue, ça y est, c'est fini, quoi. Mais on ne le fait pas. Donc, du coup, la prison continue. Bon. C'est intéressant parce que ça veut dire quand même qu'il y a de l'or, mais il y aura un désert. Ça, c'est intéressant. On ira regarder après. Je sens qu'il y a un truc important. Ouais. Alors, la justice avec les petits anges, on ira voir. Ça peut être les enfants, évidemment. Ah, on a des trucs de diable, là. Ouais. Excuse-moi, j'étais en train de réfléchir. Bon, l'ange, il est hors d'atteinte, quand même, hein. Donc, quelque part, il y a un petit peu un conseil de se mettre un peu en retrait, de regarder les choses un petit peu de loin, là. De toute façon, on nous dit que le bien ne peut jamais être atteint par le diable, vous voyez, même si c'est des petits diables. Il y a une espèce ici de se mettre un peu en hauteur, voilà. C'est un peu de ça. On va regarder ici, donc il faut garder notre paix intérieure, vous voyez, ce que je vous dis toujours. Il faut laisser faire les choses. Ouais, ben ça c'est vraiment, vraiment, vous voyez, hein, les mauvais là, le diable qui s'installe dans les foyers. Mais c'est marrant parce que, vous voyez, c'est un rêve stérile, le rêve d'or là, vous voyez, le rêve d'argent. C'est un rêve stérile là. Bon, nous, on va être comme ça, c'est vrai. Mais j'ai envie de dire que pour les mauvais, comment dire, c'est stérile, c'est vraiment ça. Il y a des changements dans le ciel. Ces gens-là, en fait, ils sont obnubilés par les histoires d'argent, enfin d'or, de richesse, mais ils ne se rendent même pas compte que ça n'aboutira à rien. Voilà, regardez. Le ciel veille. Bon. En tout cas, nous, on va quand même passer par une période voilà, d'emprisonnement. Hein. Mais ici, moi, je vois la défaite. Hein. La défaite des mauvais. Donc, vous voyez, on a quand même des belles cartes qui nous disent de prendre notre mal en patience, c'est un peu ça, et que les choses, de toute façon, finiront au désavantage des mauvais, là, vous voyez, le serpent. On va regarder ici, qu'est-ce qu'on a, là? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ouais, les enfants, l'équilibre, là, c'est un peu la liberté. Ok, qu'est-ce qu'on veut nous dire par là? Éloigner les enfants, à mon avis. Ouais. Ça, c'est la soupe, hein. Le poison. Il faut éloigner les enfants. Il faut vraiment protéger les enfants, j'ai envie de dire. Oui, j'ai la soupe qui sort. Vous savez qu'il y a les piquettes, hein. Et là, vous voyez, il faut partir, mais il y a quelqu'un d'invisible qui court à côté. Donc, il y a des questions. Il est là, il y a quelqu'un qui a une espèce de masque. Alors, le papillon dans cette carte-là, c'est la liberté, hein, d'accord? Donc là, il faut partir, se mettre à l'abri pour protéger les enfants. Il y a un truc comme ça, là. Parce que là, ça va devenir du n'importe quoi. Absolument du n'importe quoi. Bon, ben, j'ai pas les conséquences. Moi, j'ai rien d'autre. Hein. Mis à part le fait qu'on va se retrouver, à mon avis, bien embêté. Des histoires d'emprisonnement, quand même, à un moment donné. On va regarder à quel niveau. Oui, ça, c'est, vous voyez, le singe qui veut prendre la place de Dieu. Les saints, c'est le diable, hein. Le diable qui. Et ça, c'est la création divine. C'est, bah, pourquoi pas Ève, hein, pourquoi pas. En tout cas, vous voyez, là, le singe qui rayonne, qui veut prendre le rôle de Dieu. Voilà. L'échelle, vous voyez, hop, il en a mis une autre pour être au-dessus. Donc, de toute façon, c'est voué à la défaite, tout ça. Hein, c'est ces gens qui se prétendent supérieurs au créateur. C'est ça en fait. Bon, alors là, il y a les histoires de numérique. Alors, ça peut être les histoires aussi de circuits. Moi, je vois des circuits électriques là. Ouais. La guéguerre. Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les chaumières. Ouais. Il y a aussi l'étoile dans le ciel. Hein. Qu'est-ce qu'on a là sur le. Oh, j'ai des cartes un peu bizarres. Hein. Les gens qui prennent les armes.
Bon, il va y avoir un contrôle numérique. Ah oui, moi je pense vraiment qu'il va y avoir un contrôle numérique avec des histoires de guerre aussi, c'est vrai. Ça va nous tomber dessus. Voilà. Vous avez, voyez? En fait, c'est vraiment ça. Hein. Le diable ici, c'est vraiment ça en plus, le diable. Avec le dé du destin. On a 4, alors ça fait penser évidemment à 2024. Voilà. Les fourbes, les pirates, là. Les mauvais, les traîtres, qui veulent libérer vraiment des démons sur Terre, des choses occultes. Et qui veulent, voilà, exactement, vous voyez, ça c'est le crédit social. Hein. La dame, là, qui est un peu bizarre d'ailleurs, on a l'impression qu'elle a un masque. Eh bien, elle fait cuire des carottes, mais aussi il y a de l'or. Donc il y a beaucoup d'histoires d'argent liées à la nourriture. Et moi, je verrais bien le crédit social, là. Les deux sont liés. Hein. Ça, c'est amusant aussi. Voilà, l'argent. Ah oui, le dragon, il pleure, là. Ah oui, d'accord. Ouais. Il y a quelque chose qui est détruit, là. Ah, et les enfants. Ouais, les enfants. Les enfants, les enfants. Les enfants sont en danger. Il y a des questions financières. Il faut que les gens retrouvent une conscience. Il faut que les gens s'éveillent. Parce que là, vous voyez ce que je ressors. C'est la prison qui est une prison quand même virtuelle ou mentale. Hein. Et pendant ce temps-là, eh bien, l'Europe continue allègrement de vouloir voilà, prendre la place de Dieu, mettre les gens sous contrôle par le biais des circuits, hein, micro-circuits, nano, hein, on ne va pas épiloguer sur le sujet, de libérer des choses négatives, de mettre tous les gens sous contrôle au niveau, notamment par le biais de l'argent. Voilà, la fontaine des souhaits et la destruction des enfants. Il faut que les gens s'éveillent. Alors ça, c'est amusant, je n'en ai pas parlé. Enfin, vous savez que le Christ est né dans une étable. Donc évidemment, ça fait penser un petit peu à ça. C'est pas l'heure du Christ encore, c'est pour ça qu'on ne le voit pas. Mais il est en préparation. Il reviendra. Bah oui, c'est biblique, hein. C'est biblique, il reviendra. Mais il faut quand même que les gens retrouvent leur côté spirituel. Bon, en attendant, bon. Voilà, en attendant, c'est vraiment ça. Hein. Vous avez le numérique. Alors, je sais bien que c'est une espèce de bélier. Ah oui, Saturne en bélier. Bah voilà, Saturne en bélier. Le numérique contre le naturel. Alors là, c'est le dérèglement climatique, là, vous voyez. Parce que la neige en Égypte, bof. Mais qui va nous infantiliser. Ils vont vouloir nous mettre sous contrôle par le biais de ce que je vous ai dit là, avec l'histoire de contrôle, de surveillance et tout numérique. Voilà, ils vont vouloir nous infantiliser, nous mettre en prison en prenant comme excuse le climat. Excusez-moi, c'est parce que je suis partie quand j'ai du mal à trouver les mots. Hein. Bon, bah, c'est pas fini encore nos histoires de guerre, de. Non, 2025, ça va être un affrontement, hein, et ça va être le numérique. Bon, pour l'instant, je pense qu'au niveau de la guerre, ça continue, hein, le numérique qui sort. Et que c'est pas là maintenant que tout va se régler concernant notre sort. Il faut attendre 2025, ça va être très dur, il va falloir résister en 2025. 2026, je vous ai déjà dit ce que je voyais. Le numérique, mais également le crash, ou le crack, comme vous voulez. Et là, ben, ça va être un affrontement. Vous me direz ce que vous en pensez. Donc prévoyez, hein, parce qu'ils vont vraiment vouloir nous mettre sous contrôle. Moi, c'est ce que je vois. Voilà, à bientôt tout le monde. Au revoir.